Salut à tous, c'est Baïsanka, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'information sur GTA V PC, donc pour une nouvelle date de sortie, des premiers screens et les spécifications recommandées pour jouer à ce jeu sur PC. Donc en fait tout à l'heure Rockstar, il y a une petite heure, Rockstar a posté un article sur le Social Club en disant que vu qu'on vient d'arriver en 2015, ils aimeraient partager les premiers screens et les spécifications recommandées pour pouvoir jouer à GTA V sur PC ainsi qu'une toute nouvelle date de sortie qui est le 24 mars 2015. Donc tout d'abord ils s'excusent de ce léger décalage de date, mais le jeu nécessite quelques semaines supplémentaires pour le rendre aussi bon que possible. Donc Rockstar ne prend jamais le déplacement d'une date de sortie à la légère, mais ils expliquent que c'est vraiment un choix important pour pouvoir sortir le jeu aussi bon que possible pour les fans. Ensuite ils ajoutent « Merci à tous pour votre compréhension et nous vous assurons que ces quelques semaines supplémentaires en vaudra la peine lorsque le jeu sortira en mars. » GTA V sur PC comportera jusqu'à 30 joueurs en mode online et comprendra les braquages, donc les braquages qui seront sortis sur console quelques semaines avant. Ensuite ici, ils nous mettent plusieurs screens, donc regardez, ici on voit le petit screen et ils nous disent que si on clique dessus, on aura le screen en résolution 4K. Donc là je vous mets l'image complète et ensuite je vais vous mettre l'image en résolution 4K. Donc bien entendu vous ne verrez pas toute l'image, mais vous allez voir que les détails franchement c'est vraiment magnifique. Ensuite, ils nous annoncent aussi qu'on pourra configurer nos PC avec des triple écrans. Donc franchement imaginez jouer à GTA V en... Vous voyez avec les trois écrans devant vous, un au milieu, un à gauche et un à droite. Franchement ça serait vraiment un truc magnifique. En plus avec une résolution qui peut aller jusqu'à la 4K. Résolution 4K vous imaginez. Franchement ça va être vraiment un jeu de dingue. Ensuite ici ils nous disent aussi que ce GTA V PC comprendra également un nouveau mode éditeur qui donne aux joueurs la possibilité d'enregistrer leur gameplay et de les mettre directement sur YouTube. Donc ça c'est vraiment intéressant pour les personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter un boîtier d'acquisition. C'est quand même pas donné. Là tout le monde pourra mettre des vidéos, ce qui est vraiment intéressant. Et voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Donc j'espère que cette information, je vais pas dire vous a plu, puisque l'information principale c'est quand même que GTA V sur PC est repoussé, mais que du coup avec toutes ces petites informations, que les braquages seront là pour la sortie PC, la résolution 4K, franchement c'est vraiment des trucs très intéressants. Donc on va patienter encore un peu, mais comme ils l'ont dit, ça en vaut la peine. Vous dites-nous en commentaire ce que vous pensez de tout ça. Franchement ça a l'air vraiment d'être un jeu magnifique sur PC. Perso je vais le prendre et je pense que je vais vraiment m'amuser dessus. Dites-nous vous ce que vous en pensez. N'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu, ça me fera vraiment plaisir. N'hésitez pas non plus à vous abonner et à partager cette vidéo pour mettre vos amis au courant. Moi je vais vous laisser sur ces images, je vous dis à tous bon game et ciao tout le monde.